Salut à tous et bienvenue sur Damzou, sur Hearthstone avec Damzou, pardon. On est parti game 3. Go! Allez. Alors, espérons que on fasse beaucoup mieux que la première et même mieux qu'on fasse aussi bien que la deuxième. Je pense que aussi bien que la deuxième, c'est un minimum. Par contre, faire aussi bien que la première, ça devient dangereux. Alors, le Yeti, c'est un très bon tour 4, mais c'est beaucoup trop tôt. L'attaque chinoise, je vais la garder. Le reste, je le vire. Oh, la trahison aussi, non, la trahison, il faut que le mec il ait rempli son board. Le Yeti qui revient, non mais. I am maudit, quoi. Travail terminé. Ça va pas du tout Heureux de là. vous rencontrer. Oui, moi aussi, bonjour. Tout le plaisir. C'est quoi cette sortie pourrie là? Ah, un fast tour 2, du coup ça va peut-être valoir. Je connaissais pas ça, d'accord. Ouais, ok, je vois ça, c'est quoi ça? Attendez, mais. Ah ouais, il y a le 2-2 Divine Shield et le 1-2 Divine Shield Taunt. Première chose, on va faire sauter le Divine Shield. Son tour 2, qu'est-ce qu'il va faire? Mais t'as un abonnement, franchement, t'as un abonnement chez les Divine Shield, c'est pas possible. Ouais. J'aurais dû le tuer, ouais. J'aurais dû le tuer au début. J'ai pris 2 dégâts gratos pour rien. Mais je voulais attendre de voir ce qu'il joue au tour 2. Aïe! Ça va faire mal. Ça, c'est pas cool du tout. On va enlever lui et on va taper. Je vais reprendre 4. Donc il va continuer à rusher. Normalement, le Yeti devrait survivre. Ok. Donc, je vais donner un coup pour tuer le 1-1. Je vais faire une trahison. J'aurais bien aimé un éventail de couteaux. Trahison, je la fais ici. Non, trahison, je vais la faire là. Voilà. Bon, là concrètement, on a repris l'avantage sur le board. 1-4-3 et 1-4-4. J'ai juste perdu la moitié de mes points de vue pour ça. Donc, le prix, c'était cher payé. C'était cher payé et c'est toujours cher payé, hein. Si je passe sur lui plus le Divine Shield, je peux commencer à le toucher. Ah mince! Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, je pensais pas qu'il était. Je pensais pas que franchement que cette tuque là, ça pouvait faire miss un taunt. Ah non, mais du coup. Ça vient de me donner un truc de fou là. Ça veut dire que quelqu'un qui se protège avec un taunt, il y a possible, on a une chance sur deux de le tuer avec lui. Il faut se rendre compte. On a une chance sur deux de tuer quelqu'un alors qu'il est protégé par un taunt grâce à lui. Je trouve ça assez fort. Allez. Oh, le boulet en plus. En plus, il a chié contre. Ah, ça c'est pas doué franchement. Quand ça rate plusieurs fois sa cible,
ça devient un peu gênant. Bon, c'est pas grave, parce que lui, il a suffisamment de force pour le recaler. Ah, là, ça passe encore, mais ça commence à devenir juste. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Prends le contrôle du secret adverse, c'est pas grave. Bon, par contre, j'ai décidé, mec, que ce tour-ci, j'allais piocher. Donc, ne m'en veux pas, mais je vais piocher. Un coup là-bas. Vas-y. C'était tellement de la merde, ce machin. Ok, ok. Le mec, en 3 fois, il a fait quand même 3 fois ce qu'il voulait. Amène-nous une carte, s'il te plaît, mec. Ok, si j'ai un mecha, ça peut être cool. Mais c'est si j'ai un mecha. Est-ce que j'ai joué quelque chose? Oui, donc on va envoyer ça. Tac, et on reprend une arme. Bon, normalement, sans hésiter, sa priorité, c'est au minimum de tuer mon 4-2. Après, on va serrer fort les doigts pour prier pour qu'il ait pas de consécration. Ah, ça fait 7 de dégâts. Ah, c'est pas forcément la même amélioration. Ça, c'est bien de le savoir. En fait, c'est... ça peut se répartir entre les différents trucs. Ok, ok, je savais pas non plus ça. Bah là, je peux tuer tous ces mecs, y'a pas de soucis. Et en fait, je vais tuer tous ces mecs et je vais mettre des nouveaux mecs à la place et tout. Hop. Voilà, on change. Alors, comment ça va se passer la suite? Parce que je peux le faire passer à 4-4. Je lui mets ça, il passe à 5. Je peux mettre 10-14. Ouais, prochain tour, j'ai le kill. Bon, prochain tour, j'ai plus le kill. Mais c'était quand même beau, hein. Je suis quand même fier de moi. J'avais quand même fait un beau coup. Enfin, on va recompter. Je le pose, il passe à 4. Je lui mets le point de dégâts, il passe à 5. Ça fait 10. 10 plus 4... on passe à 14, plus 2, 16. C'était déjà ça. Du coup, il faudrait que j'ai besoin de ce dégât en plus ailleurs. Ouais, bon, du coup, je vais juste pas enclencher l'enrage. On va faire ça. Allez, pam, prends, tu te prends deux. Pan. On attaque comme ça. On attaque comme ça. Ok. Bon, on est tour bien. 11 points de vie en arène en un tour. Par un paladin, c'est théoriquement impossible. Il va me silence lui, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Ah, Mataf. Mataf, c'est un pirate qui est gros quand même. Et un chef de raid. Alors sur le... en attaque, j'ai combien là? J'ai 6, 10. J'ai 10 plus 2, 12. Ouais, c'est bon. Comme on dit chez nous, le compte est bon. Pan. Et normalement, si je suis pas trompé, il reste pile 12. Wouhou! Le compte est bon! Bien joué. C'était bien joué. Il aurait à un moment de la partie, il avait une consécration. Comment dire? Et ben, il m'aurait atomisé. Juste grâce à une seule consécration. Ok, donc on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.